Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, de retour avec une vidéo aujourd'hui pour vous donner une liste de choses à ne surtout pas dire ou faire lors de vos entretiens d'embauche. Alors c'est bientôt la saison des recrutements ici. Typiquement les compagnies commencent à recruter en janvier parce que justement l'année commence, ils ont un budget, donc ils savent à peu près combien de personnes ils veulent engager, enfin ils ont un budget pour engager les gens. Donc je pense que le timing est vraiment parfait pour cette vidéo là. Et aussi j'ai précédemment fait une vidéo où je donnais des conseils, des stratégies en fait pour réussir votre entrevue, vos entrevues d'embauche. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo là. Alors première chose à ne pas faire en entrevue, c'est mal parler de votre ancien employeur. Enfin, même si vous avez détesté chaque seconde dans cette compagnie-là, vous ne pouvez pas mal parler de votre ancien employeur, de vos anciens collègues de travail. En fait, ça fait pas bien. Ça donne une mauvaise image de vous-même. Ça prouve que demain, vous pouvez dire la même chose de votre intervieweur, en fait, si il vous engage et puis les choses ne se passent pas bien, c'est sûr que vous allez casser du sucre sur son dos, vous allez mal parler d'eux et ça fait pas bien, c'est juste vil. J'ai même fait une vidéo où en fait je parlais de l'importance de partir si possible en bon terme quand vous quittez votre compagnie, même si voilà vous avez détesté le travail, vous avez détesté votre boss, vos collègues, essayez quand même de partir en bon terme parce qu'on ne sait jamais. Vous ne savez pas de quoi est fait demain. Vous pouvez vous retrouver à avoir besoin de ces personnes-là. Et même quand vous postulez pour un nouvel emploi, très souvent, on appelle l'ancien employeur pour des références et tout, pour essayer de savoir quel genre d'employé vous étiez. Et du coup, si vous quittez en mauvais terme, ça peut affecter en fait la revue que votre ancien employeur va donner. Mais de toutes les façons, même à la base, ça fait même pas bien en fait de mal parler de son ancien employeur. La deuxième chose, je dirais, même si effectivement vous êtes désespéré, que vous avez besoin du travail, ne le dites pas en fait. Ne dites pas ah moi franchement je suis désespéré, je suis prêt à faire n'importe quoi pour obtenir ce travail là. Ça montre que en fait vous n'êtes pas vraiment intéressé, vous voulez juste un travail. Et les compagnies n'aiment pas entendre cela, même si c'est vrai que voilà, très souvent, écoutez, quand on postule pour un emploi, c'est parce que voilà, souvent on n'a pas le choix, on a des factures à payer, on veut juste un emploi pour pouvoir s'en sortir. Mais les compagnies ne veulent pas entendre ça. Elles veulent des gens qui ont vraiment de l'intérêt à travailler pour elles. Elles veulent vraiment des gens qui sont intéressés par ce qu'elles font, par leurs produits. Donc en disant quelque chose du genre « Ah, moi je ferais n'importe quoi pour avoir ce travail-là », ça prouve en fait que ça pourrait être ce travail-là comme ça pourrait être un autre. Donc le travail en lui-même ou la compagnie en elle-même, c'est pas ça qui vous intéresse, c'est plus le fait de trouver un travail voilà, pour pouvoir vous en sortir, et ça fait juste pas bien. Donc évitez de, même si vous êtes désespéré, évitez de le faire, de le dire ou de le montrer en fait, parce que ça fait pas bien. Faut pas faire croire que tu sais tout faire, ça montre juste que tu es en train de donner le message comme quoi tu n'es pas très honnête sur tes compétences. S'il y a quelque chose que tu ne sais pas faire, bien sûr, si tu sais que par exemple pour ce poste là c'est super important de savoir manipuler Excel. Si on te demande si tu sais utiliser Excel, tu ne veux pas dire non. Parce que c'est une compétence cruciale pour ton travail. Bien sûr, tu ne veux pas dire non. Mais sinon, pour tout le reste, on te demande par exemple de parler d'une situation difficile que tu as eu à gérer dans le passé ou une erreur que tu as commise, ne fais pas comme si ça ne t'était jamais arrivé, parce que la vérité, on commet tous des erreurs. On a tous eu des situations qu'on n'a pas su gérer, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Tu veux être honnête à ce moment-là. Tu n'es pas superman, tu n'es pas superwoman, tu ne sais pas tout faire. Donc n'essaie pas de faire croire pendant l'entrevue que tu sais tout faire, que tu es la perfection. La perfection, ça n'existe pas. S'il vous plaît, ne mentionnez pas la paye. Ne parlez pas du salaire. Ne demandez pas le salaire, c'est combien. Non. Vous allez voir ça une fois avec les ressources humaines. Ça, c'est les personnes des ressources humaines là, c'est avec elles vous devez parler du salaire. Que ce soit avant l'entrevue ou après l'entrevue, ça dépend. Parce que des fois, je sais que quand, le premier contact que vous aurez avec la compagnie, c'est avec vraiment les gens des ressources humaines. Donc c'est eux qui vous appellent pour coordonner avec vous tel jour, telle date,
pour l'entrevue et tout. Donc c'est à cette personne-là, vous pouvez demander au début peut-être, ah, le boulot là, il est payé à combien? Ou bien après, mais pas pendant l'entrevue. Ça se fait pas, c'est très 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 mal vu. Une autre chose aussi à éviter en entrevue, c'est quand par exemple, on vous pose une question et vous n'avez pas bien répondu à la question et vous êtes rendu compte et vous dites, vous blâmez en fait le fait que vous soyez nerveux. Genre, vous dites, oh, je m'excuse vraiment, j'ai pas bien répondu à la question, là, je suis nerveux ou je suis nerveuse. On sait que vous êtes nerveux. On le sait, c'est une entrevue d'embauche et c'est normal d'être nerveux. C'est normal que, voilà, vos questions ne soient pas parfaites. Et votre intervieweur le sait. Donc, c'est pas la peine de le dire. En fait, en le disant, vous montrez un manque de confiance en vous-même. Et encore une fois, ça paraît pas bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est la pire chose que vous pouvez faire en entrevue. Loin de là, ça veut pas forcément dire que on va pas vous donner le boulot à cause de ça. Mais quand même, ça enlève des points parce que ça prouve que vous n'avez pas confiance en vous-même. Donc, c'est pas la peine de dire des choses comme ça, du genre, oh, désolé, je suis nerveux, enfin, machin et tout. On le sait. Même si vous avez fait une faute, une erreur, c'est pas grave, assumez et puis voilà. Des fois même, c'est si vous assumez en ayant confiance en vous-même et comme je l'ai dit, en ne voulant pas vendre l'image comme quoi vous savez tout, vous êtes parfait et tout, souvent c'est ça qui va plaire au recruteur en fait, parce que vous êtes vrai, vous avez confiance en vous et les gens confiants, ils assument leurs erreurs, ils assument qu'ils savent pas tout. Une autre erreur que les gens commettent en entrevue et que moi-même j'ai commise pour être honnête, c'est quand par exemple on vous demande de donner, enfin de parler de vous, de donner vos compétences, ce dans quoi vous êtes bien. Et là vous pouvez dire, ah moi j'ai des compétences de leadership, moi je suis bien, j'apprends vite, moi je travaille bien dans une équipe. Il faut pas juste le dire, il faut le dire et il faut donner des exemples concrets qui vont appuyer ce que vous êtes en train d'affirmer là. Donc c'est super important de travailler sur des exemples à donner. Quand vous dites par exemple j'ai de bonnes compétences en leadership, bon, comment ça s'est manifesté dans le passé, que ce soit aux études, que ce soit dans ton emploi précédent. Pareil si vous dites moi j'apprends vite, comment ça s'est manifesté en fait. Une chose à ne pas dire, et franchement si vous faites ça, je pense qu'une compagnie qui se respecte ne va même pas vous donner votre chance en fait. Venez demander à la compagnie qu'est-ce qu'elle fait. Mais c'est incroyable et vous serez étonnant en fait. Il y a des gens qui vont en entrevue et qui prennent même pas la peine de faire des recherches sur la compagnie, de faire des recherches sur le poste. Il y en a qui savent même pas le poste là, les tâches là c'est quoi. Mais c'est très 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 grave en fait. Donc s'il vous plaît, en fait ça va de soi, pour moi ça va de soi, mais je tiens quand même à le dire. Vous ne pouvez pas aller en entrevue et demander à la compagnie ce qu'elle fait. Ou demander à la compagnie c'est quoi les produits qu'elle vend ou les services qu'elle offre. Ça c'est assumer que vous savez déjà, sinon pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous venez postuler à la compagnie pour le poste? Mais c'est vraiment un manque de respect incroyable. Mais vous serez étonné, je suis allée en entrevue et plusieurs fois les intervieweurs m'ont dit il y a des candidats qui viennent qui lisent même pas la description de l'emploi, qui viennent s'asseoir, qui savent même pas l'emploi là, enfin, qu'est-ce qu'on fait, you know. Mais voilà, c'est une chose de ne pas lire la description et c'est une autre chose de venir demander à la compagnie qu'est-ce qu'elle fait. Franchement, c'est une question, pour moi, ça va de soi, juste, vous ne pouvez même pas la poser en fait. C'est pas possible. Alors, la dernière chose que je voulais mentionner ici, c'est à la fin des entrevues, quand on vous demande si vous avez une question à poser, vous avez toujours une question à poser. Vous ne pouvez pas dire non. C'est hyper mal vu. Et les questions, ne posez pas des questions dont vous pouvez trouver les réponses sur Google ou des questions que j'appelle des questions bêtes. Sincèrement, les questions que vous posez juste pour poser et c'est ennuyant en fait, c'est irritant, voilà, c'est irritant ce genre de questions là. Vous voulez toujours poser une question, c'est très mal vu de dire non, moi j'ai pas de questions. Ça prouve que c'est comme si vous étiez en train de dire clairement, moi j'ai pas plus d'intérêt que ça à travailler chez vous. Franchement, si vous vous en foutez, correct, hein, mais si vous voulez vraiment le travail, il faut trouver de bonnes questions à poser. À la fin de chaque entrevue, quand on vous demande est-ce que vous avez une question à poser, oui, vous avez toujours une question à poser. Il n'y a même pas d'autre alternative. Et trouver des questions intelligentes à poser. Donc voilà, en gros, c'est pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Je dirais, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu de ce type. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut!